Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très originale qui m'a été envoyée par un abonné, enfin une map qui m'a été envoyée par un abonné. C'est un top 5 des musiques qu'on peut faire avec des notebooks. Le mec il a passé 3 jours à le faire. Il a transformé des musiques de la vraie vie, enfin des musiques normales, en musiques de notebook grâce à des logiciels, etc. Et donc les amis, pour cette vidéo je vous propose un challenge. On va écouter les musiques les unes après les autres et vous allez jouer contre moi. Mon but est tout simplement de deviner les musiques le plus rapidement possible. Et vous, votre objectif c'est de les deviner avant moi. Donc voilà, vous pouvez noter votre score sur un bout de papier ou les retenir et après vous me donnerez dans les commentaires le score que vous avez fait contre moi. Alors du coup, eh bien c'est parti, bienvenue sur cette map lobby en dessous. Oh boy, ok, ça commence tout de suite avec un petit d'un coup des familles. Ok, ok, easy mon gars. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un vrai mec. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de beau ici? Le faux Nitro, d'accord, bonjour monsieur le faux Nitro. Le faux agent GB, d'accord, il y a que du fake, que du fake. Le GB stuff prend le... Oh super, on a du GB stuff, c'est cool ça. En plus il a l'air assez cheaté. Alors, commencer la map. Oh là là, j'ai 3. Première musique, on, répéter la musique off. D'accord, très bien. Donc, on peut répéter la musique. Musique numéro 1, ne l'ouvre pas avant d'avoir deviné. Ah, d'accord, d'accord. Donc là, il va falloir deviner la musique et on aura la réponse dans le livre si jamais on le trouve pas. Ok, les amis. Alors, très bien. Je suppose que je dois rentrer dans ce minecart. Alors, du coup, les amis, je vais activer. Bah, je pense que ça doit être ça. Vous allez devoir le deviner avant moi. J'espère que vous êtes chaud. Attention, 3, 2, 1. What? Je connais pas du tout. C'est quoi cette musique? Ah si, je crois que je connais, attends. Ah oui. Ah mais je sais, mais je sais pas le titre. Non mais je la connais. Non mais je la connais, c'est une musique super connue dans un film. C'est tan 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 tan. Ah mais je la connais, mais je sais pas le titre. Je sais pas le titre, mais je l'ai deviné. Donc à partir du moment où je l'ai deviné, parce que je l'ai quand même deviné même si j'ai pas donné le titre, au moment où j'ai fait dans la vidéo genre ah je la connais, etc. Eh bien ça ne compte plus pour vous. Alors le nom de la musique les amis. Oh. J'ai cliqué sur le mauvais bouton, c'est pas grave. Musique numéro 1 c'était Crady Android, d'accord, celle de mon outro. Ouais, non mais je la connaissais mais je connaissais pas le titre. En tout cas, bah voilà, si vous avez deviné avant moi ou même après moi et que vous aviez deviné le titre, et bah en tout cas GG. Et si vous aviez, bah pas du tout deviné, bah pas GG. En tout cas voilà, vous avez gagné un point si vous avez deviné la musique avant que je fasse genre ah oui c'est bon je m'en souviens, ok. Allez, chanson suivante. Alors prochaine musique. What? Vous avez vu ça? Oh non mais please. Ah là c'est énorme. Alors attendez, du coup c'est parti les amis pour la deuxième musique. Je rentre dans le 24. Allez, j'espère que vous êtes chaud les amis. Chauffez vos oreilles parce que vous allez devoir la deviner avant moi. Attention, 3, 2, 1. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je crois que je sais. C'est Mirigo. C'est Mirigo de Kevin MacLeod. C'est ça, je suis sûr. Attends. Oui, c'est ça, c'est Kevin MacLeod. Mirigo, bien sûr. C'est magnifique, c'est Kevin MacLeod, Mirigo. Alors voilà, j'espère que je l'ai deviné avant vous. Oh la vache. Non mais vous avez vu ça? C'est ouf, il y a vraiment tout quoi. C'est vraiment un truc de fou. C'est trop balèze. Ah c'est vraiment trop cool, franchement ça fait plaisir, c'est vraiment voilà un top 5 original. C'est vrai que j'avais jamais vu ça avant, voilà, top 5 des musiques en notebook. C'est vraiment sympa et ça a dû demander du travail hein. Ça peut être fait par un logiciel, World Edit, tout ce que vous voulez, ça a dû demander quand même du travail. Allez du coup, prochaine musique, musique numéro 3. Est-ce que je vais réussir à la deviner avant vous? Attention, 3, 2, 1. En fait je vais pas être dans le minecart, je vais juste voler, comme ça je suis sûr d'être bien à la bonne vitesse. Attention, 3, 2, 1. Je connais pas. Je connais pas du tout. Ah, je connais pas du tout. Ah, je connais pas du tout. Je sais pas si c'est une musique. Je connais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Ah, ça me dit quelque chose!
Ah, ça me dit quelque chose. Ah, ah, je sais pas du tout. Non, je sais pas. Ah, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Bon, je vais regarder la réponse. Je sais pas si vous avez deviné, mais moi, je connais pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que la musique? Attention, droit de... The Fat Rat Unity. The Fat Rat Unity. Ouais. Ouais, bah écoutez, j'aurais vraiment pas deviné, hein, parce que The Fat Rat Unity, là... Tanan, 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 tanan. Ouais, ok, je vois où est-ce qu'il a voulu en venir. Ok, d'accord, ok, pourquoi pas, The Fat Rat Unity. Mais en tout cas, si vous avez deviné, eh ben franchement, gros GG, parce que dis donc, c'était compliqué. Allez, quatrième musique, oh la vache. C'est interminable, c'est interminable. Alors du coup, 3, 2, 1, 4ème musique, allez-vous deviner avant moi? Je prends le livre ici sans l'ouvrir, voilà, c'est pour la solution, 3, 2, 1. Hein? What? C'est quoi cette musique? Ah! Oh! Ah mais c'est la musique de mon outro. C'est JDD Aventure. JDD Aventure. Oui. C'est la musique de mon outro. JDD Aventure. Oh. Ah, je suis content de l'avoir deviné. Ça montre vraiment que quand même, voilà, j'ai quand même une bonne oreille musicale. J'arrive après à deviner. Ah, c'est cool. Ouais, c'est ça, JDD Adventure, c'est la musique de mon outro. What? C'est interminable. Oh mon dieu. Ah, c'est génial, la musique de mon outro, JDD Adventure. Yes, je l'ai deviné. Je l'ai deviné, je suis content, c'est bon. Je mérite quand même mes points, jusque là j'ai quoi? J'ai 3 points, le premier que j'ai à moitié deviné, le deuxième Merigo de Kevin MacLeod, et enfin celui-là, donc là pour l'instant j'ai 3 sur 4, hein. C'est pas mal quand même, c'est pas mal, j'ai réussi, il y a juste une éthique que j'ai pas réussi à deviner. Allez du coup, prochaine musique. Alors du coup, fin de la map, surprise. Ah d'accord, super, donc là c'est la cinquième, attention. Cinquième musique les amis, est-ce que vous êtes chaud? 3, 2, 1. C'est Monkey Spinning Around de Kevin MacLeod. Non, c'est If I Had a Chicken. If I Had a Chicken. If I Had a Chicken de Kevin MacLeod. Kevin MacLeod, If I Had a Chicken. C'est pas Monkey Spinning Around, c'est If I Had a Chicken de Kevin MacLeod. Hey, est-ce que c'est bien ça? Normalement c'est ça, hein. If I Had a Chicken de Kevin MacLeod. Je parie 500€ que c'est ça. Oui, If I Had a Chicken, la musique que tu utilises le plus sur ta chaîne, et oui. Ouais, non, honnêtement, non. If I Had a Chicken, j'utilise vraiment très occasionnellement pour des situations rigolotes, mais non. C'est plus Monkey Spinning Around que j'utilise en intro et semi-outro, et la grosse musique du milieu, voilà, comme ça, vous le savez, c'est, Duty Moonshine Taking It Bad, voilà, ça, c'est la musique que j'utilise énormément au milieu de mes vidéos, voilà, pour la musique d'ambiance. Ouais, donc voilà, If I Had a Chicken de Kevin MacLeod. Ça fait plaisir, j'ai réussi à deviner. J'ai 4 sur 5, c'est pas mal quand même. Alors après, est-ce que vous avez réussi à deviner plus rapidement que moi? Eh bien ça, vous le direz dans les commentaires. Et ne trichez pas, parce que je vous vois venir. Oui, bon, j'ai tout deviné, 5 sur 5. Et en plus plus rapidement que toi. Ouais, à d'autres, hein. Allez, fin de la map, surprise. Ouais. Oh, bonjour monsieur Sévrier. Qu'est-ce que c'est que ça? Des à boum. C'est quoi ça, dé à boum? Mini-jeu original, le but est simple, comme un dé à coudre, tu sautes dans le seul trou d'eau, mais vu que c'est un dé à boum, il y a une surprise. Ok. Voilà à quoi sert le minecart, serrurier. Bonjour. Oh, ouais, j'ai plus de minecart. Ah, il demande de remettre les sons, alors on va remettre tous les sons. Ok, je sais ce que c'est. C'est un dé à coudre, je vais atterrir, je vais activer de la TNT, et puis voilà, ça va faire boum. À tous les coups, c'est ça. À tous les coups, c'est ça. Par contre... Waouh, attends, il a fait un système de clé, sérieusement? Ah oui, non mais la clé, ah oui d'accord, genre en mode, ah oui, voilà, donc je le pose genre là, et j'active là. Ok, d'accord, très bien. Alors voilà, je suis sûr que ça va être un dé à coudre avec de la TNT, on va voir ça tout de suite. Oh, oh, ah bah non, mon tuto, what? Ah si, voilà, c'est ça, c'est lui qui avait mis de la TNT, il a mis de la TNT lui-même. Oh mon dieu, ça explose, attendez, je vais m'envoler pour voir ça. Mon dieu, il arrive à faire laguer mon ordi quand même, hein. C'est pas mal, parce que mon ordi c'est quand même une sacrée machine. Le mec arrive à faire tout laguer, oh mon dieu. Attends, ah, je sais ce qu'il a fait, il a fait un flat world avec une couche de TNT en dessous, c'est pas possible qu'il ait fait autrement. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, GG à toi pour cette map, c'était vraiment cool. Oh my god, je lag à fond. En tout cas, je te mets un de 19 sur 20, c'était vraiment cool et original. Ça manquait juste un petit peu de découpe.
peut-être. Mais en tout cas, 19 sur 20 pour l'originalité. Le daboom, très drôle. Le petit d'un coup du début, j'ai kiffé. Donc merci les petits clins d'œil, ça fait plaisir. Si tu veux m'envoyer une map, c'est Tomel qui s'affiche juste en haut de l'écran. Et sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu à la vidéo qui fait toujours plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Et sur ce, high five.